Qu'est-ce qui se passe, Jérémy? Non! Oh bah non, tu m'as reconnu! Alors, remarque, il faut que je finisse les derniers détails du costume. Eh, hey, pas mal, hein? Eh, hey, c'est quoi? C'est ton nouveau look? Mais non, rien à voir, c'est pour la teuf d'Halloween ce soir! Hein? Tu viens quand même? Quoi? Quoi, c'est déjà ce soir? Bah oui, c'est ce soir, le temps passe vite. Eh, hey, tu te déguises en quoi? Bah je sais pas, j'ai pas eu le temps de réfléchir, je sais pas. Ah bah réfléchis vite, mon pote, hein, parce qu'il y a quasiment plus de costumes à louer là. Ouais, bon, c'est bon, je me débrouillerai. Eh, hey, remarque, hey, t'as un avantage sur moi, toi, c'est que t'as pas besoin de costume. Au naturel, comme ça, hop là, tu mets deux petites cicatrices ici, et puis ça le fait carrément, hein, un vrai Frankenstein. Tiens, en fait, je voulais te dire, à propos de Karen. Ouais. Je te la laisse. Comment ça, tu me la laisses? Ah, je te la laisse, j'ai revu Manon, j'ai recraqué sur Manon, donc je te la laisse. Puis ce soir, j'attaque. Devant Barbara? Ben non, pas devant Barbara. Ce soir, je sors... Hop là, en célibataire. Mmh. Ah bon? Bah oui, Barbara vient pas. Elle a pas envie de se déguiser. Oh. Ouais? Mmh. C'est nul, c'est dommage ça. Ouais, enfin, ça dépend pour qui, hein. Moi, ça me laisse une plus grande flèche de liberté. Et ouais, bah fais gaffe de pas te faire emporter par une vague de folie sur ta plage de liberté, hein. Oui, bon, tu peux, s'il te plaît, hein? Tu vois bien? Ok. S'il te plaît. Ah ouais, tiens, au fait, il reste un super costume de squelette fluo, ça peut être vachement bien, ça. Mmh. Je verrai, ouais. Bah, je crois que mon déguisement est réussi. Ça va, Karen? Ça va. Promets-toi, Jérémy. Eh, mais t'es complètement malade, j'ai failli faire une crise cardiaque, moi. Ah, mais t'inquiète pas, mon miminou. Moi, je t'aurais fait du bouche à bouche, moi. Hein? Mmh. Ouais, bah non, je préfère Karen pour le bouche à bouche, excuse-moi. Bah là, tu rêves pas trop, hein. Tiens, je t'ai ramené un costume de squelette. Ça te va? Yes! Squelette? Non, mais. Excellent! C'est complètement banal, là. C'est d'un commun, c'est un squelette. Oh! Oh! Très bien. Je t'arrête, parce que là, c'est ridicule, là. Tu trouves pas qu'on forme un joli couple, tous les deux? Ah ouais, on dirait Marilyn Monroe et Elvis Presley. Ouais, c'est cool, c'est vachement sympa, ça. Ouais, enfin, je veux dire, dans l'état dans lequel ils doivent être aujourd'hui. Tu trouves pas que ça me va bien? Ouais, pas mal. En tout cas, ça te fait jolie fesse. Hein? Bah, à ton avis, pourquoi j'ai choisi? Ah ouais, évidemment. Tu mets quoi, toi? Oh, rien. Tu vas pas au bal? Non, tu vois, j'aime pas trop ce genre de déguisement. Bah, c'est dommage, c'est sympa. Ouais, mais non, moi, je trouve ça morbide, en fait. Pour te dire la vérité, j'aime pas Halloween. Non, je veux rester là avec un bon bouquin. Et Jérémy? Oh, bah, Jérémy, il ira avec ses copains. Non, ça va nous faire du bien de pas toujours être l'un sur l'autre. Si tu changes d'avis, j'ai mon costume de l'année dernière. J'étais déguisée en diablesse. C'est fou ce que je me suis amusée. J'avais tous les petits diablotins à mes pieds. Et un vampire là, tu comptes avoir qui? Bah, Dracula, bien sûr. Ah, rien que ça? Mm-hmm. C'est le costume que s'est choisi Alex. Ah, donc tu l'as revu? Il m'avait laissé son numéro de portable sur la boîte de préservatif à la fraise. Je pouvais pas l'oublier. Et c'était comment? Ça va, un coup de fraise. Je dois partir. J'ai rendez-vous. Attends, tu sors comme ça? Bah oui, c'est Halloween. Allez. D'accord. À plus. Salut. Salut. J'espère que je l'ai pas vexé, Karen. Pourquoi veux-tu qu'elle soit vexée? Ah bah tu sais, ce genre de fille-là, elles sont habituées à ce qu'il y ait tous les mecs à leurs pieds, et quand elle a vu qu'avec moi ça le faisait pas, bah peut-être que je l'ai vexée, quoi. Ouais, c'est probablement ça, hein. Ouais. C'est marrant quand même, hein, parce qu'au début, c'est vrai que j'ai bien craqué sur elle, parce qu'elle est super bien gaulée et tout, mais au bout du compte, bah, elle faisait pas. Probablement une histoire de phéromone. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Eh, remarque, à la limite, tant mieux, hein, parce que vu comment toi, t'es sous le charme grave, sinon on aurait été obligé de se battre. Ouais, tant mieux, ouais. Ça aurait été dommage. Tant mieux, ouais. Non, par contre, avec Manon, c'est une autre histoire. Là, elle me fait un effet, cette fille, mais un truc, je sais pas ce que c'est, mais... Mm-hmm. Je sais pas, probablement quoi, phéromone? Peut-être, ouais, c'est peut-être ça, ouais. Mm-hmm. Ouais. Eh, tu sais que ça a failli le faire déjà avec Manon. Ouais? Ah, elle a failli craquer, ouais. Oh. Pendant que Barbara était au Japon. Non. Dans l'appart des filles, elle s'est complètement littéralement offerte à moi. Mm-hmm. Bon, il y a eu un petit souci de fermeture éclair sur sa robe, donc du coup, bah... on peut plus aller plus loin. Hein? Mais c'était chaud quand même, c'était très 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 chaud. Ouais. Allez, c'est décidé. Ce soir, avec Manon, je conclue. Ah bah c'est super. Ouais. Tiens, mais ça tombe bien parce que v'là Barbara là. Pas un mot. Oui, évidemment. Oui. Salut. Bah alors ça va, Gérald, te manque pas trop? Bah si, quand même énormément, ouais, mais enfin bon. Y a ton miminou qui me tient compagnie.
je suis pas sûre qu'il te fasse le même effet. Hein. Non, non, ça c'est sûr, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. T'as bien dormi? Ouais, super. Et Manon était avec toi? Ouais, enfin une partie de la nuit. Ouais, parce qu'elle est rentrée très tard. Quoi? Comment c'est une... Mais elle était où? Bah avec Alex. Ouais, je suis sûre que ça colle entre eux. Mais alors, mais c'est une excellente nouvelle, ça. Hein? Et Jérémy, non, mais franchement, sacré Alex, mais qu'est-ce que je suis content pour lui, moi. Ouais, je crois qu'on l'est tous, hein, vraiment. Vraiment, il n'y a rien de plus beau que l'amour. Ah, n'est-ce pas, mon mignon? Sûr. Ouais, non, vraiment, si ça pouvait marcher, ce serait génial. Complètement. Bon, moi, il faut que je me sauve, sans train d'en m'attendre. C'est vraiment nul que tu viennes pas ce soir, quand même. Hein. Bah, non, mais je vais rester à la maison, lire un bon bouquin, et puis voilà, je suis sûre que ça me fera du bien. Ok. À tout à l'heure. Sacré Alex, quand même. Hein? Sacré Alex. Je sais pas, elle a peut-être plus de phéromones, je sais pas. Bah, vous en avez pas eu assez de la nuit? Mais non, on en a jamais assez. Salut, Barbara. Salut. Mais justement, je t'attendais pour partir. J'ai les garçons qui m'attendent à la salle de sport. Tu feras un gros bisou à mon minou pour moi. C'est promis. Alors raconte, c'était comment? Génial. On a passé la nuit à se faire des câlins. Vous avez pas dormi du tout? Un peu. Mais comme on rêvait qu'on se faisait des câlins, et ben, ça revenait au même. Ah, t'as de la chance. Tu sais, on se demande avec Julien si on va pas se prendre un petit studio tous les deux. Non, vous allez carrément vivre ensemble. Oh, c'est génial. Bah attends, il n'y a encore rien de fait, mais disons qu'on en parle, c'est déjà ça. Si seulement moi je pouvais vivre avec mon Miminou. Tu crois que tu pourrais supporter? Excuse-moi, je suis méchante. Non, t'as raison, hein, c'est la question que je me posais en disant ça. Vous allez aller au bal ce soir tous les deux? Oui, bien sûr, c'est rigolo, non? Ouais, tu trouves pas ça malsain pour tous ces déguisements de fantômes, de squelettes, de sorcières, de vampires? C'est pour rire. Et puis en plus, avec Julien, on a prévu autre chose. Ah ouais, quoi? Des têtes de citrouille. Bah, comme ça, ça nous évitera de nous la prendre comme on l'a fait il y a quelques jours. Hein. Ah ouais, c'est pas bête. Et toi? Tu te déguises en quoi? Bah moi, tu vois, j'avais pas l'intention d'y aller. Mais bon, avec ton histoire de citrouille, ça me donne bien envie, ouais. Et bah viens, on va t'en trouver une comme ça. Ouais, ce serait génial. En plus, mon Miminou, il croit que j'y serais pas. Comme ça, moi, tu vois, je pourrais voir comment il se comporte. Tu crois pas que tu prends des risques? Bah un peu. Mais bon, tu vois, si jamais il fait des bêtises, je me fâcherai. Comme ça, au moins, il sera obligé de m'emmener dans un relais château comme Julie, hein, pour qu'on se réconcilie. Ah, vu comme ça, c'est pas bête du tout. Eh ouais. Bon, allez, viens, dépêche-toi, il faut qu'on trouve ma tête de citrouille. Dis-moi, c'est sympa si vous prenez un studio tous les deux. Ouais, bah écoute, je sais pas. On réfléchit, de toute façon, c'est pas pour tout de suite. Vous parlez de quoi, là? Rien, ouais, Julien qui me racontait sa nuit au Relais Château. Au fait, Julien, je voulais te prévenir pour ce soir. Je risque d'avoir des... projets. Comment ça, des projets? Bah oui, puisque Barbara vient pas à la teuf, je compte attaquer dès ce soir avec Manon. Il a complètement craqué sur ma belle cousine et il s'imagine qu'il a toutes ses chances. Mais pas du tout, ça n'a rien à voir, c'est complètement l'inverse. C'est elle qui a craqué sur moi, elle est folle de mon corps. Nuance, moi je compte bien en profiter si c'est ce que je veux dire. Et Barbara alors? Bah justement, c'est pour ça que je compte sur ta plus grande discrétion, motus. Bah écoute Jérémy, tu vas encore te mettre dans une galère là. Ouais mais ça tu vois... Ah, il s'en rend pas compte. Et ça c'est mon problème, hein. Mais je suis désolé, je suis pas fait comme vous. La monogamie c'est pas mon truc, voilà, hein, je j'y pars rien, c'est comme ça. Une seule femme, ça me suffit pas. Tout simplement, bah, il faut pas que Barbara soit au courant, hein? Sandra vient ou pas? Bah oui, elle vient. Bon. Voilà, ce que tu vas faire, tu vas te débrouiller pour l'occuper, le temps que j'emmène Manon au moins, d'accord? Mais Jérémy... Julien, à chaque fois que t'as eu un problème, à chaque fois qu'il y avait un truc qui allait pas, j'ai été là. Alors s'il te plaît, renvoie-moi l'ascenseur, rends-moi ce service au moins, hein? N'importe quoi. T'inquiète pas, de toute façon, il a aucune chance. Quoi? Vampirella, c'est moi. Ça me va bien, non? Tiens, bah t'es marrante, toi, comme ça. C'est vrai. Alex n'est pas là. Non, on l'a pas vu. Désolé. Hein. Il a dû aller chercher son costume. Ça vous ennuie si je l'attends avec vous? Non, pas du tout. Merci. Et il est déguisé en quoi,
Alex. En Dracula, voyons. Pour aller avec Vampirella, bien sûr. Non, mais moi aussi, je suis déguisé en vampire. Eh ben alors, ça tombe bien. Hein, tu pourras faire, je sais pas, le petit frère de Dracula et Vampirella. C'est bien. Il y avait un monde dans ce magasin. Ah bah, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde prépare Halloween, hein? Ah, attends. Tu vas voir. Comment tu me trouves? Oh, c'est génial. Je crois vraiment que je viens d'aimer Halloween, moi, maintenant. Bonjour, madame la citrouille. Vous allez bien? Très bien, madame la citrouille. Et vous? Oh, bah, je suis un peu citrouillée, mais ça citrouille bien. Parfait. Eh bah, ben, bonne citrouille. Salut, la citrouille. Parfait. Salut. Salut, ça va, Karine? Super. Vous êtes super drôle comme ça. Ah oui, c'est marrant, hein? Tu vas à la fête, toi aussi? Bien sûr. Ah ouais, tu vas porter quoi? Je pensais me déguiser en sorcière. Oh, je crois qu'on va passer une super soirée. Oui, moi aussi. Alors, Maître Citrouille sur une citrouille perchée tenait dans son bec une citrouille. Maître Citrouille, par la citrouille alléchée, lui tint à peu près ce langage. Bonjour, monsieur de la citrouille. Que vous êtes citrouille, que vous me semblez bon. Sans mentir, si votre citrouille se rapporte à votre citrouille, vous êtes la citrouille des hôtes de cette citrouillerie. Des phéromones? Mais où est-ce que tu veux que je te trouve ça, Jérémy? Non mais écoute, Junior, d'habitude mon fournisseur c'est Alex, alors je veux pas te mettre de la pression, mais lui, il l'aurait trouvé. Mais pourquoi tu vas pas voir directement Alex alors dans ces cas-là? Là, c'est un petit peu délicat. Hein. Mais bon, tu m'as dit toi-même que t'étais plus fort que lui. Ouais, bien sûr, mais... Bon, ouais, qu'est-ce que tu vas en faire de ces phéromones? Bah alors ça, c'est mon problème. Hein. Tu peux ou tu peux pas? Ouais, je peux, mais ça risque de te coûter bonbon. C'est pas grave, je suis prêt à mettre le prix. Bon, bah dans ces cas-là, effectivement, ça change tout. Et qu'est-ce que c'est, les phéromones? Non, Junior, me dis pas que tu sais pas ce que c'est que des phéromones. On en parle dans tous les journaux. Mais c'est une sorte de parfum hormonal qui est sécrété par l'organisme du mâle pour attirer la femelle, et vice-versa. Putain, mais c'est terrible ton truc. Et ça sent quoi? Ça sent quoi? Mais ça sent rien du tout. Y a que le cerveau qui ressent ça. Hein? Ça dégage une rafale d'hormones comme ça, et puis après, ça fait le truc, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Et quel genre de femelle tu veux attraper alors? Oh là là là, une grande brune avec les yeux bleus plutôt canon. Mais c'est plutôt vague ça, tu veux pas m'en dire un peu plus? Non, pas là, je suis désolé, mais. Je suis un gentleman, je peux pas te m'en dire non plus. Bon, bah écoute, je vais essayer de me débrouiller avec ce que tu m'as dit. Mais... Tiens, en fait, des préservatifs à la fraise, ça t'intéresse? Des préservatifs à la fraise, ça te dit ou quoi? Ah bah ouais, pourquoi pas, ouais, c'est combien? Et donc, je l'ai fait à 1€ l'unité. Quoi? Bah, ils sont à la fraise. Attends, mais c'est complètement de prix. Écoute, c'est comme tu veux. Si c'est à la fraise. Je prends deux. T'en prends deux? On sait jamais, okay. C'est sur un malentendu, hein, ça s'est pas marché, quoi. T'sais. Ok, bon, 2€. Mais tu peux payer en francs si tu veux. Ah bon? Ça fait combien? Ça fait 20 francs. J'arrondis. Ça va mieux. Ok. Okay. Bah, merci beaucoup, hein. Puis tu penses à mes phéromones, hein. Ok, ça roule. Je concentre-toi. Bon, j'ai les phéromones, j'ai les préservatifs, tout baigne. Tiens, t'es là, toi. Ouais. Pourquoi t'es parti si vite? J'avais, un petit truc à compléter pour mon costume, hein? Ouais, bah en tout cas, c'est bête, hein, tu viens de louper Alex. Il est parti juste après ton départ. Il y a un bon feeling entre lui et Manon, ouais. Hein? T'es sûr, là? Ah ouais. Mais c'est pas grave, ça, hein? Soit elle le préfère parce qu'il est plus grand, c'est pour ça. Bah oui, normal. Ah ouais, mais t'inquiète pas, on va vite comprendre qui c'est l'homme qu'il lui faut. Ah, mais faudra peut-être la mettre au courant, alors, hein? Ah ouais, mais je m'en occupe. Hein? Surtout que je vous demande, les gars, par contre, Sandra. Vous vous débrouillez pour pas que je l'ai dans les pattes toute la soirée. Hein. Bien sûr. Parce que si c'est pour qu'elle raconte toi, Barbara et tout ça, c'est pas la peine. Bah bien sûr. Oui. Mais t'inquiète pas, Jérémy, tu peux compter sur nous. C'est ça. Marrez-vous, rigolez. Il y aura bien qui ira le dernier. C'est génial votre idée. Comme ça, on va passer la soirée à changer de déguisement. On va rendre tous les garçons fous. Mais dites pas, Jérémy, que je viens. Bah non, t'inquiète pas, on va garder le secret. Ça y est, j'ai les citrouilles supplémentaires. Je les ai dealés pour un super prix en plus. Super! Comme ça, on sera toutes dans la même tenue pour le bouquet final. Bon, et ben nous, on va aller faire un petit tour en cours. Hein. Ouais, on peut laisser les citrouilles là, on s'est arrangé avec la direction. Pas de problème. Super. Moi aussi, j'y vais. Il faut que j'aille me trouver des chaussures pour aller avec mon costume. Ah, si t'en trouves pas, tu m'appelles, hein. Ok. D'accord. À plus. À plus. Elles sont mignonnes, hein.
Ah ouais, canon, ouais. Mais n'oublie pas, pas autant que moi. Ah non, mais t'en fais pas, bah, ça c'est gravé là-dedans. Salut. Salut, Jérémy. Si tu cherches Barbara, elle est sortie. Ah non, non, c'est pas Barbara. Je voudrais parler à Alex. Deux minutes, je peux te l'emprunter? Si tu promets de me le rendre, oui. T'en fais pas, c'est pour le business. Business, hein. Ouais. Bon, alors, t'as besoin de quoi? C'est, comment dirais-je, un petit peu délicat, mais bon, autant que tu le saches. Ouais. À propos de Manon, je voudrais t'éviter une galère. Hein? Comment c'est une galère? Elle a la poisse. Tu racontes, ça existe pas ces trucs-là. Comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. Pas de problème. En tout cas, son ex-mec, il était dans le business, comme toi. Tu sais où est-ce qu'il est maintenant? Hein? En prison. Il est au trou. Elle même d'avant, pareil, même chose. Là, la poisse. Comment tu sais ça? C'est la cousine de Géraldine. Tu sais, ça va vite, hein, ce genre d'information-là. D'après toi, pourquoi est-ce qu'elle est célibataire? Elle a la poisse. Bah, je te remercie quand même. Bah, je t'en prie. Hein. Je préfère qu'il sache, même si c'est vrai que c'est un petit peu délicat quand même. Ouais, ouais, non, non, mais t'as bien fait, t'as bien fait. Bon, je compte sur toi, par contre, discrétion totale, hein. Tu lui dis pas que c'est moi qui te l'ai dit. T'en fais pas. Comme d'hab. Bah, ce soir, alors, hein. Ouais, ouais. À ce soir, ouais. Alors, tu lui as vendu quoi? Oh, pas grand-chose, il voulait juste un renseignement. Bon, bah, moi, je vais y aller, hein. Mais on avait dit qu'on passait la matinée ensemble. Bah oui, mais écoute, moi, j'ai du business à faire, excuse-moi. Et... En tout cas, c'est vraiment sympa de m'avoir invité à me préparer chez vous. Ça me fait gagner un temps fou. Bah, de toute façon, c'est beaucoup plus drôle de se préparer tout ensemble, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait, Manon? Elle devrait être là, hein. On l'a laissée avec Alex. À mon avis, ils doivent avoir des choses à se dire. Ou peut-être à se faire. Et toi, Karen, t'as trouvé quelqu'un? Pas encore. Mais bon, je compte m'en occuper ce soir. Surtout avec mon déguisement. Les pauvres garçons, on va les rendre chèvres. Ouais, bah c'est pour toutes les fois où ils ont été vaches. Ça doit être Manon. Manon, on est là! Salut Manon! Allez, dépêche-toi, on va être en retard. Ouais. Bah, qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Non, non, ça va. J'ai plus envie de me déguiser en vampire, là. Bah, et ton couple avec Alex en Dracula? Justement, ça me branche plus. Et donc, ça s'est mal passé avec lui? Ici, j'ai mon monde, il n'y a que le business qui compte pour lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? On s'est embrassés et 5 minutes après, il est parti parce qu'il avait une affaire à régler. C'est trop compliqué pour moi. Je crois que je vais pas aller au bal. Ça, c'est bête. Il y aura plein d'autres mecs? Bof. De toute façon, j'ai plus rien à me mettre. Ah, mais si tu veux, regarde. T'as qu'à mettre la mienne? Ok. Et moi, je mettrai la tenue de vampire là? Ça te dérange pas? Ben non, comme ça, moi, c'est moi qui aurai les belles fesses. Bon! Ben, les filles sont pas encore là, hein? Ouais, elles devraient pas tarder. Elles doivent être en train de se préparer encore. Oh, tu cherches quelqu'un, toi? Ouais, Junior. Je vais commander un petit complément pour mon costume, là. Enfin, je vais aller voir s'il est pas tout loin. Ok, vas-y. Tu te rends en faire avec moi? Ben, ça te tente? Eh ben ça dépend, c'est qui là-dessous? C'est Jean-Étienne, tu me reconnais pas? Mais dégage, allez, non, merci. Ah, tant pis. Bon, ça risque d'être très hot, c'est toi. Ouais. Hein? Ah, Jérémy, viens, viens. C'est pas Junior là-bas? Ah non, merci. Salut mec, ça va? C'est moi. C'est moi, c'est Jérémy. Bon. T'as ce que je t'ai demandé? Ouais, bien sûr. Tu me prends pour qui, mon pote? T'es sûr que ça va marcher, ça? Ah ouais, ouais, c'est un cousin biologiste qui me l'a fait. C'est du 100%. Ah bon? Tiens. Enfin, c'est 200 balles, hein. Hein? 200 balles. T'es ouf ou pas? J'ai pas les 200 balles, moi. Ah ouais? Ta montre? Ta montre? Encore la montre. Ouais, ça marche comment, ça? Bah, tu t'asperges, c'est tout. Tout simple. Ouais, tout simple. Ça marche. Merci beaucoup, mec. Ah!
Bon allez, là, ce coup-ci, c'est parti. Tiens, regarde ce que j'ai mis. Bon alors, les filles sont pas encore là? Hein? Ah. Ça. Qu'est-ce que... Ah mais tu sens une drôle d'odeur toi. Ah bon? T'inquiète pas, ça fera l'effet voulu, la personne voulue en temps voulu. C'est d'ailleurs ce que vous allez chercher. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Oh, ouais. Elle sent la base, j'ai reconnu Julien. Ah bah avec ta facette de citrouille, t'es forte. Hein. Qu'est-ce qu'il veut? C'est ça l'amour? Bah je vois pas comment il est nous. Il est tellement petit, il est peut-être en dessous. On va voir s'ils nous reconnaissent. Ah, c'est génial, ils nous ont pas reconnus. Mais tant pis, moi j'y vais, j'en peux plus. C'est moi, coucou. Mon amour. Salut. Ah, Karen. Terrifiant comme ça. Bah, t'es pas mal non plus, hein. Bon, bah, on vous laisse. C'était qui? Une amie. Hein? Il y a son Alex là-bas. C'est plus moi, Alex. Ah, tiens, Manon, faut que je te parle. Mm-hmm. Bon, voilà, je voudrais pas que tu me prennes pour un goujat, mais il fallait me dire que t'avais la poisse, quoi, parce que... Attends, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui t'a dit ça? Manon, c'est toi? Oui, c'est moi. Qui t'a dit que j'avais la poisse? Ah, personne, enfin, je l'ai appris, c'est tout. Bah attends, tes deux mecs d'avant sont retrouvés en tôle, moi... Bah n'importe quoi, aucun mec de Manon ne se retrouvait en tôle. C'est Barbara, là? Bah oui, c'est moi. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah mais d'accord, ok, mais ça y est, j'ai compris. Écoute, Manon, je suis désolé, en fait, on m'a raconté n'importe quoi. Mais c'est pour ça que t'es partie tout à l'heure, hein? Bah ouais, j'avais peur de me retrouver en galère, tu comprends? Et une croisière de luxe, ça te tente? Ah. Oui, ah. Bien. Avec toi, je suis pardon. Bah, allez-y, je vais chercher mon minou. Ah, Zophir, elle a des rêves. Ton Zophir, je l'ai tatiqué. Oh non, c'est pas drôle. Tu m'as reconnu, mon minou. Mais qu'est-ce que tu sens? J'ai une drôle d'odeur. Ah non? Non, si. Non. Attention. Il est dangereux, écartez-vous. Il s'est échappé du cirque, on sait pas ce qu'il a. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, j'aurais dû le prévenir que c'était des phéromones animales. Enfin, c'est Halloween. Il était vraiment superbe ton costume. Et tout ce que trouve Alex est superbe. Surtout toi. Yeah.